זוהר פרשת בו ליום ראשון. יאמר אשר משה בו אל פאו, כי אני חוותי את לב, את ליבו וגומר. ויהודה פתה ואמר, אשר העם יהודה תלוה, השם באור פניך יליכון, כמה הסתליכו בנינה שלמי הר, ואור חידי קודשה בריחו, ומתר פקודי אורייתא, ואין דזיכון בא לעלמא דעתי, שזיוולון מכל קדחו גיד דלילה ודתה. וכי השם יהיה משה ו... Apparo, plutôt viens, beau, El Paro, car j'ai alourdi son cœur. Rabbi Yehuda dit, heureux est le peuple qui connaissent le Teloa, connaissent la sonnerie. Teloa est un des noms des sonneries de chauffard. Car avec la lumière de ta face, ils iront. Et combien est-ce que c'est important pour l'homme d'aller dans les chemins de Hachem et de garder toutes les mitzvot et la Torah. Pourquoi? Parce qu'à cause de cela, il aura le mérite de Olam Haba, et il sera sauvé de tous les accusateurs qui sont en haut et en bas. Begin de akema de ishtakehu mekatregim be'alma letata achela mishtakehu mekatregim ne'ela dekemi aleu edim nasha. Et comme il y a beaucoup d'accusateurs dans le monde ici, qui sont là pour faire pécher l'homme, hein, qui sont donc les Serrarar et les autres forces négatives. La même chose, il y a des accusateurs en haut, qui sont sur l'homme aussi, pour l'accuser. C'est qui? C'est tous les anges maléfiques et leurs armées. Ils n'ont dérivé plus que de voir, et à Vazébour, Achmeshar, Vedachala, Demarion, Kama Inoun, Sanegonim, Kaimi, Aléoudela. Et donc ceux qui font les mises de la Torah, qui vont dans le bon chemin avec crainte de leur maître, combien est-ce qu'ils ont plutôt des avocats ou des protecteurs qui viennent et qui les protègent en haut. Qui m'a dit à ta mère, comme c'est écrit, « Imi eshala malach melitz echad mini elef egomer orti vechanu veyufunenu vayomer » Et comme il est écrit, si tu as un ange qui te protège, je te donnerai 1000. Et c'est pour ça donc que heureux est l'homme qui fait attention aux mitzvot et à la Torah. Amar le Rabbi Chaya, Yahé, et Maïstarich, Acham, Arde, Levé, Musigurina, Ale, de Barnache. Il dit donc, pourquoi est-ce que c'est nécessaire d'avoir un ange qui protège l'homme? L'inquiétif, si c'est écrit, qu'Hachem y est, virisselecha. Comme Hachem sera dans ta promesse, et Shamar aglecha milachet te protégera d'aller dans le mauvais chemin. Ourtiv, Hachem shlocha mikorar, Hachem te protégera de tout mal. Yacham ikut shabirichu kolma devarnash avid be'alma. Parce que Hachem regarde tous les actes que fait l'homme dans ce monde, que ce soit du bien, que ce soit du mal. Alors, donc, la question est, pourquoi est-ce qu'il a besoin d'un ange, d'accusateur, puisque Hachem voit déjà tout. Il a besoin d'un accusateur qui vient pour témoigner contre cette personne-là. Reno Omer, Imsater Ish, Mimistarim, Anilo, Enun, Om Hachem, et les criminels royaux, même si l'homme se cache, dans la plus grande des cachettes, est-ce que moi je ne le verrai pas? Il y a Hachem. Amarle, Rabbi Yehuda, Kula Chehu Vadaï. Il dit tout est vrai. Aval Haketiv. Mais, comme c'est écrit dans Iov, Vega El Asmo, El Besaro, Portiv, Vatestiteni Bo, Le Baleo Chinam. חזרה דהה רישו התמסה לסתר אחרה וכדרג על מילין דהלמה. Il y envoie qu'il y a un rechout, une permission qui est donnée à cette force négative d'accuser l'homme. Il a cette permission. Itmasera beyado. Et donc, que cet homme se trouve entre ses mains.
יכולים להכין נסתרים לפני הקדוש ברוך הוא. Et donc, tous ces chemins sont des chemins cachés dans Kadosh Baruch Hu. Velet ant kedai le meirach evratehu. Et comment est-ce que tu peux essayer de comprendre ces chemins? Ce sont des chemins cachés. Pourquoi est-ce qu'il y a des accusateurs? Pourquoi est-ce qu'il permet qu'il y ait des accusateurs? Pourquoi il y en a si lui peut tout voir, etc. Begin de inun limusin de kusha beichu benen ashalav inun rasha'in. Des cas à Bratéo. Parce que la loi de Hachem, son choc, si on veut, c'est que l'homme n'a pas le droit de connaître, de comprendre ces voies-là. Bar inu zakaye keshor de yadehil raze oraita ve azin ve ocha de chokmata le mindar inu milin zetivin de oraita. Excepté les hommes justes qui connaissent les sodos de la Torah, les secrets de la Torah. Et qui vont dans les chemins de la Chochma pour connaître les choses qui sont cachées dans la Torah. Et pour eux, Hachem révèle, c'est-à-dire ceux qui cherchent le secret d'une manière sincère, c'est alors là que tous ces chemins-là, pourquoi il y a le mal, de quelle façon est-ce qu'il est, comment est-ce qu'il accuse, etc., à lui sont révélés tout ça. Hachem, Amen.